Dès le début, mon intention, c'était d'être professionnel. Dès le début, il n'y a jamais eu d'hésitation. Quand j'ai commencé à boxer, c'était vraiment pour la seule et unique raison d'être professionnel. Puisque je m'entraînais au club de boxe de l'Est, Dougie Bernèche était le propriétaire du club, et gérant aussi, qui avait passé plusieurs professionnels, dont Arash Ousmane, Steven Hervé, au niveau professionnel. Donc, avec lui au gym, je suis allé le voir pour le demander. Ben, un jour, il est arrivé au gym, il m'a dit qu'il voulait passer pro. Je lui ai suggéré de continuer sa carrière amateur jusqu'à temps de devenir dans les rangs de l'équipe canadienne. C'est beaucoup plus facile de te faire regarder par un promoteur. Et je l'ai bien expliqué que j'avais aucun intérêt à soit aller aux Olympiques ou passer plus de temps au niveau amateur, que mon seul objectif, c'était au niveau professionnel. Et on a quand même parlé assez longtemps. Ben, j'y ai donné les options, j'y ai dit comment que ça fonctionnait dans le monde professionnel. J'y ai donné tous les faits, ce qu'il y avait à faire, ce qui l'attendait, puis il a pris la décision de tourner pro. Après le premier combat, vu qu'ils ont aimé la performance, dès qu'on est sorti du ring, on a eu notre deuxième offre pour un autre combat ou quasiment pas. Le gros changement qui a été arrivé, ça a été mon changement de coach. J'ai dû changer de coach, fait que j'ai passé de mon ancien coach avec mon nouveau coach qui est Éric Bélanger maintenant. Patrice Vanier, c'est quelqu'un que je connais, ça fait un petit bout. Il a boxé sur mes galas amateurs. Je le voyais dans le gym souvent quand je venais entraîner Costio, etc. J'aime sa mentalité. C'est un gars qui est prêt à boxer n'importe qui, n'importe quand. Il dit non à zéro défi. C'est un peu un boxeur de l'ancien temps, là. C'est pas un gars qui veut protéger sa belle fiche. Il veut boxer, il veut s'améliorer. C'est un gars qui a passé un peu sous le radar un peu. Comparé à d'autres, mais c'est un gars que je pense aussi va nous causer des surprises. J'avais commencé à tenter le terrain, même avant d'être impliqué juste pour aider la gang ici, on s'aide tout un peu. Puis là, un moment donné, quand j'ai commencé à l'entraîner, c'est sûr que je me suis mis sur le téléphone un petit peu plus fort, tenter le terrain un peu plus avec des gérants, des promoteurs, parce que c'est vraiment, vraiment difficile à développer un boxeur. C'est correct dans tes débuts pro, 3-4 combats, mais à un moment donné, t'as besoin d'un promoteur pour aider à aller chercher les fonds nécessaires pour avoir les bons adversaires, pour dépenser l'extra, pour aller chercher une ceinture, comme exemple, pour te mettre dans les classements. C'est toutes des choses de même que c'est vraiment important d'avoir un promoteur. Le terrain que j'avais tâté avant, j'ai commencé à pousser beaucoup plus ça. Lee Baxter, c'est la direction qu'on était. C'est quelqu'un que j'ai travaillé avec dans le passé, que je travaille bien ensemble avec, que je pensais que c'était un bon fit, Patrice et lui ensemble. Puis je pense que c'est un promoteur aussi, un peu comme Patrice, c'est un gars qui passe en dessous du radar, mais qui va causer des surprises. Lee Baxter, c'est un peu de même côté promoteur. Tout le monde parle toujours des gros promoteurs au Canada. Par contre, je pense que Lee commence à vraiment percer puis faire un nom pour lui-même en étant un promoteur qui sera bientôt parmi les promoteurs majeurs au Canada, je crois. On est rendu à mon sixième combat contre Louis Hubert Altidor. Tout ce qui est alentour de ça, c'est que si je gagnais mon combat, je savais que peut-être, parce qu'on savait qu'il y avait un promoteur qui regardait ce qui se passait, fait que j'étais conscient que si je voulais avoir une chance peut-être d'avoir un promoteur, il fallait absolument que je gagne ce combat-là. Lee est venu de Toronto, il est venu le voir pendant 2 ou 3 combats avant de vraiment s'asseoir pour voir c'était quoi, si c'était un projet qui était intéressé. Puis c'est là qu'il m'a démontré que oui, il était vraiment intéressé. On l'a mis sur une des cartes à Lee même avant de signer une entente ou vraiment négocier une entente. Puis de là, l'intérêt, c'était sûr qu'il était là. Patrice
boxe très bien. Lee Baxter voit le même potentiel que moi, je vois. Là. Les avantages d'être signé, finalement, c'est d'être sûr, garanti d'avoir des combats. Le nombre de combats, au niveau financier aussi, tu peux savoir facilement combien tu vas avoir en bout de ligne, pour, tout dépendant pour les années. Donc, avec tous les autres avantages que tu as de côté, ça donne un bel ensemble qui donne un beau tour à la fin. Dans l'écurie, Ali, dans le temps qu'on a commencé à négocier, il cherchait quelqu'un qui, un, avait une force de frappe respectable. Il y avait des beaux boxeurs, mais il manquait des boxeurs avec une grosse force de frappe. Patrice a démontré qu'il y a quand même une force de frappe intéressante. Deux, il y a le côté showman. Tu sais, il rentre dans le ring, il a sa personnalité, c'est un personnage. Et n'importe quel star, en temps normal, ont des personnages. Tu n'as pas besoin de toujours les aimer, mais c'est des personnages. Puis Patrice a ça, puis Lee, c'est ça qui vraiment... qui l'a attiré, c'est qu'il a vu un talent, mais il a aussi vu le personnage. Puis les deux ensemble, ça fait ça double potentiel, si tu veux. Mais tous les athlètes en Ontario et au Québec, il t'a sélectionné, c'est toi qui viens chercher. Il a confiance en toi. Malgré toute la masse d'athlètes qu'il peut avoir ici, il a eu l'œil sur toi et c'est toi qui as choisi parmi toutes les autres. Ou t'as personne en arrière de toi pour t'aider un peu. Là. Fait que, tu sais, les combats, c'est toujours des combats que faut que tu te poignes contre le gars de la place. Fait que c'est toujours une question monétaire, toujours une question que l'entraînement, mais faut mettre du gaz dans ton char pour être entraîné, pour aller pogner des sparring partners. Après ça, c'est toujours une question que médicale, faut t'aller passer des médicales à tous les années. En partant. Faut que tu payes pour ton médical, faut que tu payes pour ton scan cérébral. Si t'es chanceux, peut-être que ton entraîneur ou ton promoteur peuvent te le payer, mais sinon, ça coûte dans à peu près 500-600$ au privé pour les deux. Sinon, t'as toujours la possibilité d'attendre puis de le faire à l'hôpital sur la carte d'assurance maladie, mais ça peut prendre jusqu'à 8 mois d'attente. Faut que tu payes aussi pour ton équipement. Mais quand t'as pas de promoteur, c'est tout toi qui paye ça de tes poches. Mais tu sais, quand t'es déjà serré financièrement, un petit 200 là, un petit 50 là, whoop, un petit 25 pour le gaz là, whoop, t'as besoin des bandages. Mais quand c'est tout toi qui paye ça, c'est un autre monde. Veux, veux pas, tout est une question d'argent. Si tu veux t'entraîner, mais il faut que tu travailles. Si t'as pas de promoteur en tant que tel pour te donner une petite paye en plus de tes bourses, si tu boxes pas souvent en plus, faut que tu travailles ton 40 heures. Donc, t'as plus de risques de blessure. Tu peux te blesser au travail, ça t'empêche de t'entraîner. Tu te blesses à l'entraînement, ça t'empêche de travailler. Donc, il y a toujours un risque à prendre que tu vas avoir une perte d'argent de toute là, façon. Là, tu veux boxer, fait que pas tu dis que oui à tous les combats, mais tu veux boxer, fait que tu veux rester dans le momentum, tu veux rester là présent. Fait que oui, tu dis oui, tu dis oui, tu dis oui, mais tes combats, ça finit toujours... comme ma fiche démontre, tu sais, décision partagée. C'est quand que tu finis le combat, tu penses que la décision va de ton bord. Ton adversaire pense que la décision va de ton bord, mais ça va de l'autre bord. Tu peux pas rien faire, tu l'as laissé dans les mains des juges, mais c'est ça le plus dur, c'est la décision des juges souvent. Mais moi, c'est sûr, quand j'ai commencé la boxe, tout le temps, qu'est-ce que je voyais, c'était de la boxe professionnelle. Quand j'ai vu comment ça marchait amateur, j'ai décidé que dès que j'avais l'occasion d'aller professionnel, j'étais pour y aller. Fait que... J'ai commencé avec Dougie Barnesh, avec ces gars-là qui faisaient au chapiteau. Après mon septième combat, j'ai arrêté d'avoir le rêve d'être un promoteur. J'avais gagné le titre canadien après mon septième combat. Fait que je me suis dit que d'autres portes vont s'ouvrir. Quand t'as pas de promoteur, les portes sont dures à ouvrir, en réalité. Des fois, Eric recevait la proposition. Des fois, j'avais le meilleur promoteur qui existe, Facebook. Je recevais des messages de Facebook pour avoir le combat en tant que tel. Du monde que j'ai connu par Facebook, par des promotions. Des fois, à Toronto, je me suis battu. Là, je me suis battu en Jamaïque dernièrement avec le même promoteur de Toronto. Fait que jamais j'ai été signé, mais j'ai beaucoup de contacts avec certains promoteurs. C'est
son grand Frank Cotroni, il s'est battu en Jamaïque, il s'est battu à travers le Canada. Il n'y a pas de gérant titré, il y a un bon entourage d'entraîneurs. Yeah. C'est possible. C'est possible de faire une belle carrière de façon nationale, mais sans gérant ou sans promoteur, c'est impossible d'aller jusqu'au plus haut sommet. Dans le fond, dans mes premiers combats professionnels, ça n'a pas été bien ben compliqué. C'est pas mal standard, pas mal tout le temps. Ça se situait... dans tous mes combats ensemble, mes bourses générales étaient entre 600 et 800 $. Dans la boxe professionnelle, même les meilleurs, quand ils commencent et ils deviennent pros, la plupart du temps, c'est difficile. C'est rare les seuls qui commencent et qui vivent de la boxe. Ça, t'as bien des boxeurs de tous les niveaux. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est moi, je pourrais tourner pro demain, puis il y a quelqu'un qui va me faire un offre, puis je vais boxer. Ça ne sera pas une belle offre, mais moi, boxer. N'importe qui peut tourner pro. Ça, t'as bien des boxeurs avec tout le même rêve, tout le même drive, toute la même passion, qui vont tous après la même chose. Et là, c'est sûr qu'il y a des niveaux. Puis de là, ils se battent tous pour l'attention. Les seuls qui n'ont pas les États olympiques. Tu sais, si t'es aux Olympiques, t'as quand même une médaille d'or, t'es un gars flashy ou tu viens des États-Unis, peu que ce soit. Il y a des promoteurs qui vont t'approcher. Tout le reste, ils se battent tous sur les petits shows. Caché, pas de télé, en espérant qu'une personne les voit pour leur donner leur chance. Parce que c'est vraiment difficile. Tu sais, quand tu es un promoteur, tu as quelqu'un qui te paye l'adversaire, tu choisis l'adversaire avec ton équipe, ton développement demande un gaucher, quelqu'un qui frappe pas, mais boxe pas bien, quelqu'un qui boxe bien, mais frappe pas fort. Il y a plein de différents scénarios dans ton développement, puis tu peux aller le chercher, tu fais ce que tu veux avec un promoteur, un gérant, avec une équipe qui peut backer le développement de l'athlète. Promoteur, t'es pogné à travailler 9 à 5 peut-être ou travailler de nuit, tu boxes la fin de semaine puis t'as pas le luxe de choisir l'adversaire. Tu boxes contre tel, c'est ça la bourse, c'est jamais des bourses vraiment intéressantes. Dans les débuts, tu sais, on parle des 4 rounds, 6 rounds jusqu'à 8, disons, ça joue. Écoute, il y en a, j'en ai qui ont des boxeurs, même deux fois champion canadien qui a fait ses débuts professionnels pour 400$. En temps normal, moi, j'aime voir dans les petites bourses pour des 4 rounds, j'aime voir, tu sais, disons, 1000 $ en montant. 1000 étant la norme pour un 4 rounds. Pour un boxeur, pas de promoteur. Puis ça peut monter jusqu'à, tu sais, disons, pour un 8 rounds, jusqu'à 5000, dépendant sur quel bord du programme que tu es. Côté A, côté B, c'est qui l'adversaire. Dans mon cas, il y a une exception. Puis je vais vous compter ça un peu, en fait. Alors, on est jeudi soir, il est 9h. Je reçois un appel de mon gérant, Dougie Bernèche. Il me demande tout bonnement comme ça, « Hey Steven, ça te tente-tu de faire du sparring demain? » Je suis comme, « Ben oui, bien sûr. Avec qui? » Il dit, « Ben avec Brutus Tessier. » Ben OK, pas de problème. Où est-ce que je vais faire? Où est-ce qu'on va? Il dit, « Ben au Centre Bell. » Je suis comme, « Ça n'a pas pris 2 secondes, j'ai catché tout de suite. » C'était pas un sparring qu'on parlait, on parlait d'un vrai combat. Il était 9h jeudi soir, puis il me dit « Ah, puis en passant, c'est demain soir. C'est demain, il faudrait que tu sois prête pour 5h30-6h au centre. » Là, on s'entend qu'en plus, je revenais de ma blessure. J'avais pas encore eu mon feu vert officiel du médecin. Fait que là, tout le vendredi, téléphone toute la journée, en même temps que je travaillais. Pour avoir mon feu vert, que lui l'envoie à la régie. Il l'a fait. J'ai fait une demi-journée de travail. J'étais allé me battre au Centre Bell le soir. J'ai fini mon combat avec une lacération à l'œil. J'ai passé ma soirée à l'hôpital, puis le lendemain matin, je suis retourné à la job faire mon autre journée, mon autre demi-journée. Je pense que je suis le premier boxeur qui a été signé et avec Jim et avec Interbox. Donc, je pense que c'est le groupe Jim. Au début, je boxais sur les petites cartes. Je rappelle Alina Star, même Alexandre Choco, dans les débuts de la boxe au Club Soda. Puis après ça, j'ai eu ma chance avec le groupe Jim. C'est mon premier contrat professionnel, c'est avec le groupe Jim. Donc, on ne peut jamais cracher sur ça. Après ça, quand ça a été plus difficile un peu avec le groupe Jim, j'ai eu la chance d'être signé avec Interbox, qui m'a amené au deuxième rang mondial. Là, oublie pas que j'ai boxé pour le premier rang contre Anthony Darrell, donc aux États-Unis. Donc, j'ai fait des gros combats. J'ai été boxé en Roumanie. Regarde, j'ai champion intercontinental WBA, WBC. Je pense qu'on ne peut pas arriver là sans un soutien. Comme présentement, je vois des boxeurs qui n'ont pas de soutien. Comme, tu sais, quand je parle des...
des frontiers têtus, des gars qui auraient du potentiel, qui ont une bonne fiche puis qui n'ont pas de soutien. Donc moi, je peux pas dire que j'ai pas eu de soutien. Je pense que j'ai été le plus haut que je pouvais, prenant en considération que j'ai passé pro à 30 ans aussi, là. C'est un sport, mais en premier, c'est une business. Puis c'est une business vraiment différente, intéressante. Tu peux pas aller à l'université puis apprendre la business de boxe professionnelle, ça n'existe pas. Well, when I was initially talking to Eric regarding Patrice Volney, there was many factors that came into play for me wanting to sign him. For one, I wanted to diversify my stable. I had a lot of this similar fighters, but I was lacking a fighter that had a lot of charismatic characters and just knew how to really stand out. When you looked at five or six boxers, everyone always seemed to just veer towards Patrice Volney. No one really understood why, but there was something about him that everyone just stood out. And then I talked to Eric several times and I said, look, you know what? I think he has all the factors and all the requirements that we need to market a champion. But now, can the kid fight? So I put him on a couple slots, a couple of Yvonne shows, and then finally showcasing him on my show. And every show, he just improved and got better and better. And he showed me everything that needed to be shown for me to say, let's do something long term. Everyone in Toronto is always following Arthur Birslinov, who I don't know if you're familiar or not, but he was a gold medalist at the 2015 Pan American Games. And he, Maslim fought him in the amateurs, and I saw a video of the two of them fighting, and Maslim dropped him with a hard shot in the first round, and immediately I knew Maslim is definitely not for the amateurs and he's a professional style fighter. Shortly after, I spoke with his coach Mo, and I extended an invitation and said, why don't you guys come out to Toronto for a night or two, come to a couple gyms, I want to watch him spar. If he's exactly what I think he is, then there's no need to stay in the amateurs, we should turn you professional right away. And then from that point, He looked exactly what I was expecting to look for. And we had a couple fumbles with which cards he was going to turn professional on. And then we both spoke and I said, Maslim, I really feel that a professional debut is very important, especially for your family and your friends and your fans. And I think it needs to be in your hometown. So I spoke with Yvonne Michel and asked him if I could have a slot on his casino card. 138.8 livres à ses débuts professionnels ce soir. And the rest is history. I think this kid is very, very talented. He's young. He really, really comes from good training methods, and I believe that he really lives a professional athlete lifestyle. And in the next 3 or 4 years, I'm not going to move him too fast, but expect to see knockout after knockout after knockout. And very soon, he'll be headlining shows, I feel. Avec un promoteur n'importe quel avant que j'ai signé avec quelqu'un, juste pour progresser dans ma carrière. Parce que avec juste mon gérant puis avec Yann, on trouvait des combats, mais pour aller comme plus haut, pour aller pour des ceintures de nord-américain, champion du monde, on a besoin d'un promoteur, un gros promoteur pour me faire connaître par tout le monde puis pour monter pour ma carrière.
J'ai eu des offres des États-Unis, d'un promoteur de Starboxing, Joe DeGuardia. Puis il nous a offert un contrat, mon gérant. Puis on a discuté un petit peu avec, j'ai discuté avec mon gérant, puis Yann. Puis on n'avait pas de contrat, c'était comme 3 combats par année avec un minimum de ça, puis des extensions avec ça. Puis je pensais que j'allais pas être comme un de ces gars qui prenait soin. Tu comprends? J'avais mis à côté, puis j'ai juste trouvé que c'était pas pour moi. Des offres de Rixa avant, dans le passé. Puis même chose avec eux autres, il y avait beaucoup de combattants avec eux autres, puis j'ai pas trouvé que c'était l'équipe pour moi. Ils sont allés avec Yvon après un couple de combats, puis c'est bien passé. Dans le coin bleu, portant la culotte noire, vert et or, pesant 170,5 livres, en 5 combats, il a inscrit 4. Avec Jim, c'était plus qu'il voulait que je prouve ma valeur. Avec chaque combat au casino, je pense qu'ils ont vu à chaque fois que je montais puis je donnais les KO, puis ils voyaient que j'étais vraiment un bon boxeur. Shaquille Finn, il a livré la marchandise. On lui a donné l'occasion de participer à des galas au casino de Montréal. Et il était tellement bon qu'éventuellement, il a fait les finales. Et ses résultats sont tout à fait spectaculaires. Il monte dans les classements. Il est déjà champion canadien. Il est dans une division de poids très intéressante, qui était les super moyens. Et là, maintenant, on sait qu'il a de la difficulté à faire le poids, mais ça pourrait être un gros milou. Tout le monde sait que son surnom, c'est de Jamaican Juggernaut, donc la remorque jamaïcaine. Et je peux t'assurer une chose, sur le ring, la remorque, quand il frappe, il ne laisse pas de traces. Ah, d'après moi, c'est une des premières raisons que j'ai vu que je suis vraiment populaire. Puis c'est tous mes fans au casino, toujours packed avec les chandails Shaquille Finn. Puis je pense que ça, c'est une des main raisons qu'ils m'ont signé. En plus, mes performances, presque à chaque combat que j'ai fait avec eux autres, j'ai passé le carreau mon adversaire. Après ça, je pense qu'ils ont confiance en moi. D'aller au plus haut niveau. Et de plus, c'est quelqu'un qui attire les foules au casino de Montréal, toujours plusieurs personnes pour le supporter et de plus en plus de partisans. Donc, un bel avenir pour Shaquille Finn et son entraîneur, l'ex-boxeur Yann McKellar. First pro fight, baby. Way Productions. Y'all's the best. Let's go. Mais si on se fie au passé de Lee Baxter puis qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec les boxeurs qu'il a, il a amené Samuel Vargas contre Garcia aux États-Unis, que Garcia il était champion WBC à l'époque. Je pense que Lee peut faire facilement la même chose avec Patrice Volny, l'amener dans un certain niveau international, mais au Canada avec les Francis Lafrenière, les Shaquille Finn, Scheller, Hippolyte, toutes les personnes qui sont dans le même niveau de poids, je pense qu'on pourrait avoir de la très bonne boxe locale. Les personnes ont vu, même pas que Jim avait besoin de me donner des conseils, aller avec cette personne-là, avec cette personne-là, juste que des personnes m'ont juste rapproché comme ça, parce que je suis avec Jim, puis ils m'ont dit « Oh, Shaq, est-ce que je peux travailler avec toi? » Maintenant, je suis avec un conditionneur physique. J'ai arrêté d'avoir le rêve d'être un promoteur. J'avais gagné le titre canadien après mon 7e combat. Fait que je me suis dit que d'autres portes vont s'ouvrir. Quand t'as pas de promoteur, les portes sont dures à ouvrir, en réalité. Quand t'as pas de promoteur ou t'as personne en arrière de toi pour t'aider un peu, là, fait que, t'sais, les combats, c'est toujours des combats que faut que tu pognes contre le gars de la place. On avait la pression de ne pas perdre cette chance-là, puis j'avais pas le droit à l'erreur, fait que impossible de perdre ce combat. Soit avec un promoteur n'importe quel avant que j'ai signé avec quelqu'un, juste pour progresser dans ma carrière, parce que avec juste mon gérant puis avec Yann, on trouvait des combats. Mais pour aller comme plus haut, pour aller pour des ceintures de nord américain, champion du monde, on a besoin d'un promoteur, un gros promoteur pour me faire connaître par tout le monde et pour monter pour ma carrière. Possible de faire une belle carrière de façon nationale, mais sans gérant ou sans promoteur, c'est impossible d'aller jusqu'au plus haut sommet.
quand ils commencent puis ils deviennent pro, la plupart du temps, c'est difficile. C'est rare les seuls qui commencent puis qui vivent de la boxe. Ceux qui font de la boxe pour éventuellement faire de l'argent, oubliez ça tout de suite. On fait pas d'argent en partant. Je pense qu'on peut pas arriver là sans un soutien. Pendant 2-3 semaines, tu pourras pas travailler parce que t'as mal au bras, t'as mal à... Fuck. Fuck! Allô!